Un de nos premiers travaux, c'est la production des fourrages de l'exploitation. C'est la matière première que l'éleveur va exporter. Et nous, nous intervenons pour rééquilibrer ces fourrages, pour permettre de valoriser ce que produit l'éleveur. Donc à partir de fourrages comme celui-ci, on va pouvoir faire éventuellement une analyse. Et derrière, on va réajuster avec les céréales et un mélange complémentaire pour aller optimiser le fourrage et permettre la meilleure production des brebis pour chercher une lactation dessus. Donc le travail de nutritionniste sur un lot d'agneaux d'engraissement, c'est d'optimiser l'aliment, d'optimiser les performances de l'animal et d'obtenir un produit satisfaisant pour la filière, c'est-à-dire au niveau du consommateur. Avoir une masse musculaire importante, une tenue de gras, des couleurs de gras et une saveur de l'agneau. Nous attachons une attention particulière au choix des matières premières utilisées dans nos aliments, répondre à tous les modes d'élevage, de race et de conduite.